On nous entend, c'est bon? Hop. Et bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère bonsoir que vous tous, allez bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je suis accompagné de foie gras poêlé. Et oui, exactement. Alors justement, on a été magnifiquement substitué par Gia et notre ami... J'ai pas vu qu'il y avait avec Gia. Eh ben moi non plus. Ah mince. Je sais que Gia maintenant est en reconversion. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Ah bah clairement. Notamment pour le match qu'on va voir. Oh. Ah ouais. Avec Plapla et Sarun des Ténèbres qui vient quand même de sortir Juni. Alors ouais. Juni, c'est qui pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un vainqueur de Weekly. On en a pas eu beaucoup à Toulouse. Et qui est très fort, qui joue Wolf et contre Revolt. Alors Revolt, tout le monde le connaît ici. Oui. C'est notamment un joueur TLS qui joue Captain Falcon. Alors c'est une terreur. Mais en fait, je me dis que Plapla, pourquoi il s'arrêterait là? Non, c'est clair, Plapla, on est sur une bonne lancée. Et je pense que là, de son côté, bah, on veut faire tomber les têtes. Mais clairement. Moi, en vrai, que... j'ai joué avec lui pendant longtemps. Okay. Ouais, en fait, j'ai fait l'erreur de lancer un stream où je me suis dit, j'ai envie de jouer pour le plaisir. D'accord. Et je vais faire des BO5 contre les gens. Il m'a ruiné. Il m'a explosé. Trêve de sottise, ça commence avec le fameux Wario. Le Wario des Volts. Alors, le Wario des Volts, à ne pas montrer dans toutes les écoles de Smash Bros. Mais est-ce qu'il va nous faire mentir? Je ne sais pas. Alors justement, qu'est-ce qu'on arrive game, alors, pour l'instant quand même, on a quelques enchaînements, quelques combos. Ouais, on je pense qu'on est allé au-delà des tutos YouTube de Gluttony. Mais franchement, c'est très plaisant de voir Revolt sur un autre personnage parce que vu l'explosivité qu'il peut avoir sur Falcon, on se doute qu'avec des personnages comme Wario, ça peut être que du plus. Ouais. Ah bah clairement, et je crois pas l'avoir vu beaucoup jouer le personnage, donc je sais pas à quel point il va réussir à nous montrer du beau jeu jusqu'au bout. Alors honnêtement, pour parler justement avec les personnes qui ne sont pas dans cette communauté. Et Volt, c'est quelqu'un qui arrive justement à jouer plusieurs personnages, notamment Banjo ou d'autres personnes. Ouais. En fait, il a de grosses aptitudes mécaniques. Alors on voit Plapla qui fait son petit bonhomme de chemin. Ouais. Alors ouais. Il faut pas le prendre de haut, loin de là. Parce que Pika, il le joue depuis des années maintenant. Et on va dire que mécaniquement, il a mis du temps à se mettre au point, mais maintenant c'est parti. Et sache que Plapla a un Wario d'ailleurs, en Wario secondaire, okay. Qui maîtrise plutôt pas mal, hein. Il connaît les combos et tout, et puis comme il a des... Donc, c'est pour dire, il connaît le match-up, et il a des bons fondamentaux, du coup faut pas estimer le joueur, tu vois. Justement, en parlant du match-up, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors, je pense que c'est assez particulier comme match-up, parce que globalement, Wario il peut atteindre le corps à corps, et Pikachu il peut ne pas trop vouloir, tu vois. Oh, le backer. Le backer. Et alors... après, il peut un peu créer cette distance, jouer avec les petits jolts, choisir le moment pour entrer. Le truc c'est qu'il y aura le waft. Le waft qui va créer un peu qui va équilibrer un peu cet écart qu'il va y avoir pendant tout le long de la partie. Je pense que la clé c'est aussi de pas s'impatienter pour Plapla. Ouais. Parce qu'on voit justement que la première stock il a réussi à bien zoner avec son neutral B. Et là il perd un petit peu patience en faisant des fer en rising, etc. J'espère qu'il va jouer comme un Pika. Ouais. Savoir camper et savoir aussi avoir de très bonnes phases d'avantage. C'est clairement ça, en fait Pikachu c'est un personnage qui est très 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 fort. Mais il faut savoir être patient. Parce que c'est un personnage avec lequel tu ne peux pas te précipiter. Tout a l'air trop fort dans ton kit. T'as toujours l'impression que t'as des ouvertures. Mais il faut quand même choisir le timing. Il faut savoir quand rentrer dedans, quand trouver tes phases. Je suis d'accord. Oui, alors en plus c'est difficile pour Wario parce qu'il a moins de zoning, etc. Mais par contre il peut tuer en très peu de phases. Là on peut voir que un F-Tilt ou même un smash en out of shield, ça peut faire très mal. C'est vrai. Il faut faire très attention. C'est vrai, mais la plupart des kill moves de Wario, à part ceux qui arrivent dans un combo donc comme le waft, c'est des commits quand le même. Hein. C'est ah des oui, on est bien d'accord. C'est pour ça que très peu de personnes arrivent à le jouer. Clairement. On peut voir qu'en France, notamment, c'est des joueurs qui sont très mécaniques. Joli. Et on voit le backer, alors qui est tranchant, qui est même mortel de la part des Volt. Alors en fait, on voit que Wario, ce sont des très très bons joueurs qui arrivent à s'approprier, notamment Crêpe Salé, qui l'a joué pendant un moment. Maintenant, il s'est replié un petit peu plus sur Steve, mais pas uniquement. On voit justement que des joueurs mécaniquement, alors mondialement connus, Tweak, au début jouait Wario. Mais on voit qu'en France, et notamment en Allemagne, qui arrive à performer avec Wario, il y a uniquement l'enfant du pays, Gluttony. Exactement. Ouais, c'est vrai, on a 2-3 autres noms. Le père qui passe, alors là on peut dire que c'est presque even. Justement, alors le waft n'est pas sorti, mais est-ce que Evol justement... Oh, ça a failli tuer. Alors là, t'as failli faire la plus grosse caster cut de toute ta carrière. Alors, tu peux le waft. Je ne pensais pas qu'il y aurait la ride de roll, mais en effet, c'est très très difficile. Oh, le backer. En fait, Wario, ouais, ça a vraiment cette possibilité. Le backer de Wario, il a très peu d'auto-cancel, c'est-à-dire que tu peux le faire jusqu'à très tard avant d'atterrir le terrain. Il y a des coups que tu peux pas lancer quand tu te rapproches du sol.
parce que ton perso va arrêter le move. Et Wario, en fait, il a cette capacité, notamment parce qu'il shift sa hotbox, de pouvoir le faire au dernier moment. Et comme il bouge bien les airs, on a pu le voir là, il a juste fait, il a fait croire qu'il allait attaquer. Il a dit vas-y, garde ton shield, oh, mais... bam. C'est incroyable. En fait, on voit justement que, alors, quand je te parlais d'option de panique, on voit que souvent les coups qui arrivent à sortir, justement, en Evolt, c'est des coups en landing où il arrive à jouer avec la peur de l'adversaire. Là, j'avais pas vu, mais on a whiff aussi côté peuple là. Hein. On a un grab dans le vide et derrière. On est d'accord. Derrière, on s'est pris le gros. C'est quoi? C'est la nuque qui tape. C'est. On est d'accord, mais après. Boule, Si Plapla arrive à passer, c'est. Oui, alors, c'est le dessus de la tête ou la nuque. La tête. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, Wario est tout de partout. Ouais. Il fait des épées, il fait des coups de tête ou de la nuque, n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que. Franchement, Plapla. Là, il fait la meilleure run qu'il ait fait jusqu'à présent en tournoi. Mais honnêtement, il y a des ouvertures. Hein. Mmh. Il y a des choses qui peuvent passer, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que Plapla ne doit pas abandonner parce qu'il y a quelque chose à faire. Et on sent que sur des phases d'avantage, il peut justement y arriver. Mmh. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on démarre cette game de façon un peu plus patiente. On a mis seulement une vingtaine de pourcentages sur le Pikachu contre 50 de l'autre côté. Justement, on sent que maintenant, en fait, il arrive. Oh, le dash, ouais. Très très fort. Et justement, on sent qu'il arrive un peu plus à apprendre de ses erreurs. Et on. Enfin, c'est fini les 0-2, c'est fini les 1-2. Et maintenant, Plapla, peut-être qu'il va falloir s'habituer à le voir en top 16 qualifier. Hein. Ouais, bah écoute, je sais pas. Il faudra voir s'il arrivera à confirmer l'essai au fur et à mesure des weekly. Parce que c'est aussi là que tu vois la force d'un joueur. Hein. C'est pas forcément que sur ses éclats. Ces éclats isolés, mais plus sur la régularité, c'est ça qui fait que... La constance, voilà. Notamment à Smash Bros, c'est très très dur, puisque c'est quand même un jeu voilà, easy to play, hard to master, hein, comme disent les plus anciens. Notamment parce qu'il y a un cast énorme, il faut connaître tous les personnages, il faut savoir comment s'adapter à tout le cast, et du coup, en fonction de tes runs, tes résultats peuvent être très différents. Peut-être que là, du coup, on était à l'aise, en fait, côté Plapla aujourd'hui. Je suis d'accord, peut-être que de jouer sans pression, ça lui va très bien. En tout cas, on voit que la game dure, mais il ne perd pas patience. Oh, on avait la rite, c'est dommage. J'espère en tout cas que pour Evolt, il ne va pas jouer la facilité et se dire ben en fait c'est pas gagné. Parce que ce perso, bon, c'est une des premières fois qu'on le voit en tournoi, on le voit très bien. Ouais. Mais on sent que Plapla quand même, on a gagné contre Juni, donc ça peut se faire. Ouais, clairement. Et des fois, une bonne win, ça peut être l'élément déclencheur un peu pour pouvoir faire mieux derrière. Il suffit que tu aies fait ce bel upset, tu vois, qui te remet en confiance et qui te fait dire ok, je joue peut-être pas si mal que ça, tu vois. Moi j'y crois. Ouais. Je pense que. Sur un jab block, sur un smash, ça peut passer et... Oh la vache! Alors là, ok. Bon là, il lui a mis... Je pense que... Ouais. Ouais, bah là, on était dans une situation un peu désagréable, on était obligé de roll et voilà. Là, les options étaient plutôt limitées. Et ah, côté Evolt, bah, ça a pas manqué. Hein. Ah, Evolt, le couvert est dressé, il l'a dégusté complètement. Ah, là, c'est très très dur pour Plapla. Parce que justement, on s'est dit, c'est possible, il prend un secondary, ça peut le faire. Mais en fait, le waft... Il l'a dans la peau. C'est clair, pour l'instant, deux wafts touchés au final. Hein. Incroyable. Et puis sur Pika, c'est loin d'être le plus gros du jeu. Non, c'est vrai, et c'est pas forcément le plus simple. On les a pas placés sur des combos, mais à chaque fois, on s'est dit, bon bah là j'ai une ride. J'aurais mis un nid à cet endroit-là, mais là j'ai juste mis un waft quoi. Mais... Exactement. Alors c'est très très intéressant parce que on se dit, mais. Evolt, est-ce que c'est pas une solution à moyen terme pour Wario? Une solution à moyen terme, je sais pas, écoute, j'en ai aucune idée. C'est vrai que Falcon, c'est un personnage qui peut faire se faire wall dans certains match-up, du coup, plus ou moins wall dans certains match-up, donc peut-être qu'on peut chercher des options. Bien sûr. Voir, je lui poserai la question, en vrai, ça m'intrigue. Parce que on voit Evolt en fait avec peut-être ce préjugé de quelqu'un de très explosif. Dash attack. Ok. On va essayer de remonter encore la moto, la montée de Wario, qui est top tier. Cette moto qui est terrible. Bon, la Plapla, on se secoue, on a jamais vu secouer la manette. Mais honnêtement, en fait, on oublie vite que Evolt, c'est quand même un super joueur, même sans Falcon. Oui. Et là, il nous le montre, en fait, parce que t'arrives en top 16 et même si tu sors un secondary, ça passe. Ouais, en plus, il y a des clients aujourd'hui. Il y a quand même Charles, Oxys, avec DK. Il y a Fax, hein. Il y a notamment. Il y a Elfo. Il y a... Tout à fait. Je me souviens plus de qui. En tout cas, on peut dire que Elfo et Oxys sont les têtes d'Achiche. Alors, ah dommage, un drop. Plapla qui n'abandonne pas. Non c'est clair, on a un gros déficit en pourcentage ici, 78% sur la tête du Pikachu, et 89%. Et le fait que ce Wario n'est... Aïe. Le fait que ce Wario n'est plus de waf justement, j'ai l'impression ça relâche. Hein. Ça clignote, je crois. Ah non, on a full. Le caleçon est rempli, on peut le voir. Oh non, bah là... Oh, j'ai cru qu'on allait avoir la même situation que la précédente.
C'est terrible. Non mais là ouais, tout peut tuer, on va chercher ce back air un peu tout à l'heure je pense. Tenter le Wario gros qui point. A une air speed de fou. Là, ce donner qui ne va pas tuer mais c'est pas loin, le prochain sera létal. On va chercher très loin. Oh là là, ce waft bon, lâché. 3 sur 3. Ah ouais. 3 sur 3. Ah ouais. Là ouais. J'ai mal à mon Smash Bros parce que je me suis dit Wario c'est un perso qui est très difficile, il faut le dire. C'est clair, c'est et très bon. Quand t'entends justement sur les réseaux ou sur les vidéos, tu sais que le WAF c'est très dur à placer. Non mais là on a pas l'impression en ce match, hein. On a vraiment l'impression que c'est juste ce coup que tu peux faire quand tu veux. Et puis, j'ai l'impression qu'il est arrivé avec ses Joy-Con et puis il appuie sur tous les boutons, c'est passé. C'est incroyable. Oh là ce WAF là, regardez ça quoi, ce replay. Incroyable. Ah ouais non, ok. Il est chaud. Plapla n'a pas démérité. Hein. Alors Plapla, il n'a pas démérité, notamment sur la première game, ouais. Où on s'est dit que ça peut le faire. Sauf qu'on ne s'est pas douté une seconde que c'est setup waft, il pouvait passer du premier coup. Alors, Evolt nous a fait mentir. J'espère que sur la suite de la compétition, il va nous faire voir notamment ce que peut faire ce Wario. Ouais. Et de son côté, Plapla, pour l'instant, on ne fait que passer en loser, je crois. Là, il est...